Il doit y avoir quelque chose par là. Incroyable. Cette architecture est antérieure à la naissance de l'Église orthodoxe. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Une boucle de ceinture en or. À la fois belle, résistante et pratique. Elle faisait partie d'un uniforme militaire. J'ai laissé ma femme aux mains de ces médecins. La maladie a évolué comme nous le craignions. Sa peau s'est transformée en écaille et ses extrémités sont devenues insensibles. Ils disent qu'il n'y a plus rien à faire pour elle, si ce n'est essayer de soulager ses souffrances et rendre sa mort moins pénible. Mais elle doit rester loin de la cité, loin de moi. Ma femme va mourir et jamais plus je ne la reverrai en ce monde. Je vais hâter mon passage dans l'autre pour la rejoindre. Collier en or. Le niveau de détail est incroyable. L'artiste qui l'a fait était aussi doué que ceux de l'Empire. C'est fascinant. C'est parfaitement conservé. Ah.
devrait tenir. Je dois juste trouver un moyen de monter. Nous souffrons de notre isolement. Nous détenons tout le savoir médical de l'Empire, un millénaire d'enseignements qui nous indique comment soigner la moindre affection. Mais ici, aux confins du monde, l'absence d'une simple fleur nous rend impuissants. Je ne peux rien faire pour les malades. Je connais les techniques, mais je ne peux les appliquer, car nous avons dû nous cacher. Ces gens, et bien d'autres après eux, vont mourir en vain pour protéger notre secret. Je prie pour que le prophète ait raison quand il dit que nous finirons par être récompensés. Codex. On dirait un traité sur les liens entre le corps et l'esprit.